Amoureux des plaisirs sensoriels, bienvenue. Aujourd'hui, Saveur d'ici rend une énième visite au chef Raphaël Nang pour une leçon majestueuse du Koulou revisité, précédemment proposée par notre artiste culinaire Winnie Mamiaka. Prenez de quoi noter, la leçon c'est maintenant. Je suis là, chef. Bonjour Winnie, comment ça va? Ça va bien. Tu vas bien? Oui, on est content de te retrouver une fois de plus. Le plaisir est partagé. Tu vas te mettre en scène avec la star du jour, le Koulou. Koulou, pas Koumou, Koulou. Qu'est-ce que tu as prévu pour notre Koulou aujourd'hui? Ce que j'ai prévu pour le Koulou aujourd'hui, c'est des crevettes et de la bécune. D'accord. Donc le Koulou aux crevettes et aux bécune, à la bécune avec un tout petit peu de légumes. Super, donc un mélange terre et mer. Ouais. Parfait, chef. Alors présente-nous tes ingrédients. Là, nous avons nos crevettes. Ici, nous avons notre bécune. Notre banane pour l'accompagnement, pour faire les bananes soufflées. Ici, nous avons du paprika, du cumin, betterave, jeune pousse et poireaux pour la décoration finale. Ici, nous avons le soja sucré, le poivre 4 baies. Nous avons là-bas du sel, l'huile, poivron rouge, poivron vert, poivron jaune, tomate. Sans oublier notre koulou que nous allons revisiter aujourd'hui avec tous ces ingrédients. Parfait. À rappeler surtout aux téléspectateurs que le koulou est un légume qu'on consomme généralement dans le Haut-Togo, quasiment au même titre que le koumou, à la seule différence qu'il est très acidulé. Donc le chef va se faire aujourd'hui le plaisir de nous montrer sa version revisitée du koulou. On y va, chef? Pas de souci, mais après avoir pris la peine de vous laver les mains. Ça marche, nous l'avons. Pour la première étape, je vais commencer par découper mes légumes. Chef, dites-moi, c'est quel type de couteau ça? C'est un couteau assis. D'accord. Donc ça donne des formes un peu très très intéressantes pour... C'est très beau. Oui, très très intéressante pour les décos. Les petites vagues. Oui, très très intéressante pour les décos. Après nos poivrons rouges, nous allons démarrer avec nos poivrons verts. D'accord. Toujours le même procédé. On voit qu'on aura une farandole de couleurs dans ce plat. Oui, c'est ça le but. Nous repartons avec nos poivrons jaunes. Chef, comment est venue l'inspiration de pouvoir mélanger ces légumes, on va dire, plus ou moins occidental à notre koulou? Juste d'abord apporter une précision, c'est que le poivron n'est pas un légume occidental. Nos poivrons jaunes, verts et rouges, on les cultive maintenant ici. Donc, il n'y a plus besoin de pouvoir prendre des produits exportés. On a maintenant des producteurs locaux qui arrivent à nous mettre en avant ces produits et que nous, nous prenons plaisir à pouvoir travailler. D'accord. Donc c'est important de savoir que ces poivrons-là, vous ne les avez pas fait revenir de pays étranger. Pas du tout. Merci, chef. On va prendre notre courge. D'accord. Parce qu'il y a une différence entre les courgettes et les courges. C'est très beau, chef, cette courge-là, découpée comme ça. Et surtout qu'il faut rappeler que la courge est très riche en magnésium et en manganèse. Donc, il ne faut pas hésiter à consommer beaucoup de courge. Pour mieux que moi, je ne sois pas friande de courge. C'est très, très important pour la santé. Voilà. Nous repartons sur nos tomates. Nos poireaux déjà découpés. On sent beaucoup de précision dans les gestes du chef. C'est les années d'expérience. Oui. Ces années d'expérience qui apportent cette précision aujourd'hui.
on a fini avec nos légumes. On a terminé avec nos légumes. Là, nous allons maintenant partir à l'étape de la cuisson. D'accord. L'étape de la cuisson de nos légumes et de tous nos ingrédients. Donc, nous allons commencer par faire lever nos légumes. Juste après, nous allons incorporer nos crevettes et notre bécuine pour donner déjà le goût aux légumes et le tout de pouvoir mieux se mélanger, donner vraiment le goût à ce plat. Et nous allons au fur et à mesure avancer. Ça marche, on y va, chef. Ok, pas de souci. On doit juste les faire revenir, les faire saisir de part et d'autre. Juste faire saisir de part et d'autre pour permettre à ce que notre produit puisse bien tenir. Un peu de sel. Notre poivre. Comme je disais tantôt, le but actuellement, c'est de pouvoir faire voyager à travers une cuisine simple et goûteuse. Là, nous avons nos crevettes qui sont en train de cuire au fur et à mesure. On va juste couvrir quelques instants. La sauce soja sucrée, merci. Beaucoup de produits sucrés, pas vraiment. Je mets des produits sucrés, c'est pas tout le temps aussi. Pour pouvoir casser l'acidité, il faut mettre du sucré pour trouver un juste milieu. D'accord, donc, au niveau des saveurs. Ouais. Casser l'acidité, vraiment à ce milieu, on peut incorporer quelque chose de sucré à la préparation. Merci, chef. Merci. On part déjà un peu vite. Speed. Les légumes. On sent beaucoup de rapidité dans la cuisine ici. Oui. Toujours la rapidité dans l'exécution des mouvements, c'est très très important. C'est déjà très beau. Et ça sentit très très bon. Merci. Un peu de cumin. Le cumin, j'ai appris qu'il est excellent pour la peau. Oui. Tout ce qu'on retrouve dans l'Amérique, dans l'Amérique du Sud, comme nourriture, comme cuisine présentement, est inspiré de la cuisine africaine. C'est pour cela qu'on se retrouve plus dans une cuisine afro-latino. Donc notre gombo se retrouve aux États-Unis, préparé dans certaines régions des États-Unis. Là, j'ai l'impression d'être devant une assiette de wok. Oui. Ça y ressemble beaucoup. Oui, légèrement. On met l'eau et on ferme. C'est parti pour combien de temps? 15 à 20 minutes au grand maximum. D'accord. Au grand maximum, 15 à 20 minutes. Et nous revenons sur notre plan de travail, Ulma, pour pouvoir faire déjà notre accompagnement. D'accord. Donc, s'il te plaît, aide-moi sur la banane. Le temps pour moi d'hacher l'ail. C'est une banane qui sera cuite en chef. Nous allons frire cette banane en deux étapes. D'accord. Nous allons frire en deux étapes. La première étape, ce serait juste de dorer légèrement. Et ensuite, nous allons l'aplatir. Dans l'aplatir, après nous allons encore la frire et ça va souffler totalement. Vous allez voir la transformation, c'est très très intéressant. On découpe notre banane en gros morceaux
Donc là, on a cinq gros morceaux réguliers. Ok, chers téléspectateurs, nous allons assister à la double cuisson de notre banane aujourd'hui. Banane soufflée. Double cuisson d'une banane soufflée aujourd'hui par le chef Raphaël Nambi. C'est tout de suite. Waouh! C'est magnifique! J'ai toujours un réel plaisir de d'ouvrir une marmite. Et là, nous avons tous nos éléments représentés. Et ça sent tellement bon. Tellement, tellement bon. Magnifique. Oui. Très, très intéressant. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Ok, on va encore garder, on va encore laisser quelques minutes. D'accord. Il faut goûter. La tradition du La chef. Tradition. J'adore goûter. Le chef a toujours un petit ramequin caché quelque part pour moi. C'est très très important. De peur de se brûler. Ouais, c'est super sauce, hein, ce moment-là. Magnifique. C'est tellement bon que j'ai l'impression que c'est même sucré. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est totalement normal. C'est ça le but, pouvoir faire voyager. On ressent déjà en goût un peu les crustacés, ouais. Poissons, magnifique. J'ai hâte. Bon, nous allons finaliser avec, avec notre plat. Pour nous reposer aussi. Donc nous allons mettre notre koulou. Donc nous allons incorporer le koulou dans notre marmite et ensuite on stoppe la cuisson. Mais je vais d'abord égoutter quelques minutes. Magnifique. Toujours un moment, un instant de plaisir. Effectivement. Nous allons incorporer notre koulou, s'il te plaît, une main. Merci. Notre koulou, le dosage est fait. Le même procédé que l'onkomo, juste à la fin de cuisson. Et c'est surtout très beau visuellement. C'est bon. Nous allons mettre nos bananes à la friteuse. Chef, on peut expliquer aux téléspectateurs pour quelles raisons elles ont été coupées de cette manière. Juste pour nous permettre tout à l'heure de pouvoir les aplatir et ensuite les relancer dans la friteuse. Pour nous sortir des bananes vraiment souplées, très très croustillantes. Voilà, le chef a parlé d'une banane en double cuisson. Ouais. Donc là, quelques minutes. Vous voyez? Je sors mes bananes. Et là, on est arrivé. Je les pose sur mon plan de travail. Okay. Et Wilma. On est arrivé au terme de la première phase de cuisson. Oui. On aplatit. Vous voyez. Un. Je suis bien curieuse de voir le résultat. Il est intéressant. Il est très très intéressant. Un peu de paprika. Waouh, c'est un mélange assez peu conventionnel, chef. Oui. Bon, aussi, rappeler aux téléspectateurs que le paprika est intéressant à consommer, riche en fer et en potassium. Du cumin. Poivre. Et là, chef, on remarque encore bien un petit rappel à la cuisine latine, n'est-ce pas? Toujours. Toujours.
toujours voyager, toujours revenir aux sources. D'accord, voilà, cuisine. C'est très très important. Qui fait la particularité, n'est-ce pas, du chef Raphaël. Vous allez voir combien de fois c'est intéressant. Je vais voir la magie s'opérer. Dans quelques minutes, ça sort. Lima, s'il te plaît. Tu vois, là, ça commence déjà à souffler. Ok. On voit bien que ça prend du volume. Oui. Ça commence déjà à souffler au fur et à mesure. Et là, il faut compter environ combien de temps dans la fructeuse. Pas compter le temps au niveau de la friteuse, il faut juste arriver à gérer la cuisson en fonction de votre friteuse. Parce que là, pour moi, il est vraiment à fond, ma friteuse à fond. Et dites-nous, on peut aussi opérer comme ça au four à gaz? Oui. Au four à gaz à la maison, c'est possible de faire. C'est possible de le faire à la maison, toujours tourner. Vous allez voir ce que ça va donner à la fin. Ça sort en quelque sorte comme des beignets, quoi, comme des gâteaux bananes, des moments gâteaux au quartier. J'adore, je suis friande de ces gâteaux-là. Oui, on voit bien comment ça gonfle. On a même l'impression qu'on a incorporé à l'intérieur de la levure. Comment ça prend du volume. C'est beau. C'est vraiment très beau. Cette dorure-là, ça fait vraiment envie. D'où le nom banane soufflée. C'est bon. Toujours arrêter ma friteuse. Que ce sont les morceaux de banane qui ont été coupés tout à l'heure de manière très régulière qui donne ce résultat, chef. Oui. Chers téléspectateurs, vous êtes arrivés à l'étape du dressage. On y va? Magnifique. Nous passons maintenant à notre plat. Chers téléspectateurs, étape de dressage clôturée. On va directement à la dégustation. On y va. Chef, ouais. Merci pour ce beau visuel. Je vais m'atteler à déguster ce plat. Tu es tombé plusieurs fois, tu t'es relevé. La vie là c'est la foi, la mort c'est le péché. Pardonner aux autres c'est difficile à faire. C'est toujours un pincement au cœur à chaque fois que je vais détruire une belle présentation. Je vais aller pour la première bouchée. Pour les autres, nos galères sont les mêmes et moi j'aimais à tout. Ce qu'on aime ou t'aime en Zambia Pungo. Maman Laura, les zombies détruisent les foyers. Mais par le sang du Christ, les nôtres sont épargnés. C'est tellement bon. Et c'est tellement beau. Je suis sûre que Madame Mimi Mamiaka, notre artiste culinaire de saveur de cible, est fière de voir ce résultat. Alors, que dire? Je suis face à une trilogie, vraiment, une trilogie véritable de sensations gustatives. On a le croquant, le craquant, et ça, c'est fort. Oui, on a l'acidulé, on a du sucré, c'est vraiment très très intéressant au niveau de la bouche. Exactement. Et là, on a l'impression que, voilà, véritablement, on a voyagé parce que notre koulou
ce beau légume notoré s'est marié avec la cuisine latine et que quelque part on retrouve encore un peu voilà, d'Asie. On a l'impression d'être devant une assiette de wok. Exactement. C'est ça, c'est saveur d'ici, tout simplement, chef, c'est merveilleux. Alors chef, c'était très bon, tout est délicieux. Une fois de plus, merci. Et surtout, vous donner l'occasion de partager avec nos téléspectateurs votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de dire aux téléspectateurs de l'émission Saveurs d'ici que dans la cuisine, il faut surtout mettre de la passion. Essayer de pouvoir mettre en avant ce qu'on a comme patrimoine culinaire et notre savoir-faire professionnel à disposition. Et aujourd'hui, vous remercier déjà pour ce concept, pour cette émission qui nous permet à nous, professionnels de ce secteur, de pouvoir mettre en avant notre savoir-faire, nos compétences et les mettre au service de toute la nation et de nous vendre au niveau extérieur. Merci beaucoup pour ça. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de cette leçon magistrale du chef Raphaël Long. J'ai eu droit à une belle assiette qui craque, qui croque et qui croustille de coulou. Alors, rendez-vous au prochain épisode pour vous savoir d'ici. Au revoir. Au revoir. Ce qu'on m'aime ou t'aime en Zembia Pungo. Ce qu'on m'aime ou t'aime en Zembia Pungo. Aïe! J'ai tombé plusieurs fois, tu t'es relevé. La vie là c'est la foi, la mort c'est le péché. Pardonner aux autres c'est difficile à faire. Que Dieu le Père m'épargne des pièges de Lucifer. J'ai nagé dans la mer, j'ai toujours les mains propres. Moi là t'attendais, j'ai dépassé les profs. Enfant du Tandima, princesse de nos côtes. Pourquoi baisser les bras?